on dirait que tout à coup, une véritable existence n'existe que si elle se fait à travers le petit écran. Et bon, moi, ça me donne, je donne parfois souvent des entrevues et j'en revenais pas, là, tout à coup, dans mon quartier, quand les gens m'avaient vu à travers le petit écran. Là, tout à coup, j'étais important. Là, fallait, on était prêt à m'écouter ou quoi que ce soit, mais c'est quand. Mais attention, autant si c'est le fun, là, c'est... mais d'un autre côté, non, faut pas que cette notoriété-là, que ce culte de la notoriété, remplace évidemment le contenu qu'on va trouver dans ce qui est communiqué à travers les médias. On a de plus en plus l'expert en santé qui devient, qui remplace le grand prêtre d'antan, grosso modo, et le grand prêtre d'antan qui pouvait être aussi très efficace pour soigner les gens, mais d'une manière complètement différente. Oui, c'est... au niveau de la pilule, c'est clair qu'on met, on a une beaucoup trop grande confiance en la pilule. Il y a une statistique qui pour moi me chavire à chaque fois, c'est que après le cancer et les accidents cardiovasculaires, la troisième cause de mortalité dans les pays développés, c'est le médicament, les effets adverses des médicaments. Parce que les gens considèrent souvent que les médicaments, ben, on peut en gober autant qu'on veut et que les médicaments, c'est bon en soi. Donc, les drogues illégales, c'est pas bon, faut pas toucher à ça, mais le médicament, lui, ben, il est prescrit par le médecin, donc c'est bon. Mais... au niveau des effets adverses de ces médicaments-là, ça, c'est relativement très important. Mais on a cette espèce de confiance aveugle qui s'est développée. Où est-ce que... moi, je travaille au niveau de la régulation du médicament. Tout le monde veut avoir le plus nouveau médicament le plus rapidement possible. Mais là, attention, là, ce plus nouveau médicament... ça veut dire qu'il n'a pas été introduit sur le marché, on ne connaît pas encore les effets secondaires possibles. Le plus rapidement possible, mais ce n'est peut-être pas une bonne idée, il faudrait peut-être prendre le temps de le tester davantage. Parce qu'il faut comprendre, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, là, Toyota a fait son rappel de l'ensemble de ses voitures d'Amérique du Nord parce que la pédale de gaz restait coincée parfois, il y a eu des accidents. On estime le nombre de morts à cause de ça autour de 39-40 à peu près, qu'il y a eu dû à ça. Si on regarde le médicament, le Vioxx, par exemple, qui est un anti-inflammatoire, et si on le compare au naproxène, ben, les deux ont le même effet. La seule différence, c'est que les effets secondaires du naproxène étaient moins importants que le Vioxx. Statistiquement, si les gens qui prenaient le Vioxx avaient pris le naproxène à la place... au niveau du nombre de décès, on aurait réduit le nombre de décès dus aux effets secondaires du médicament de 40 000. Donc, on n'est plus de l'ordre de 30-40, là, on est de l'ordre de 40 000 minimum aux États-Unis. Mais ça, c'est de la statistique. C'est pas important. Quelqu'un qui... une personne âgée, par exemple, prend un antipsychotique atypique qui est relativement fort, et à cause de ça, va avoir certains vertiges, va tomber, se casser la jambe, pas la jambe, ou se casser la hanche, par exemple. Et quand on se casse la hanche, c'est une chance sur quatre que ça devienne un décès. Mais ça, c'est une personne âgée. C'est normal, puis c'est comme naturel. Mais non, c'est pas naturel.